Comment avez-vous quitté votre dernier employeur? Vous avez démissionné? New Balance? Oui. Vous voulez dire New Balance, j'ai malheureusement été licenciée à cause de la crise économique, en fait. C'était une très belle société, mais qui reste quand même une société à IMN assez petite en période de crise. C'est une société qui a été touchée particulièrement. Il y a eu des réductions de coûts, d'effectifs, et malheureusement, je suis partie. Et votre poste a-t-il été remplacé? Non. C'est-à-dire, qui occupe vos fonctions actuellement chez New Balance? Aujourd'hui, c'est mon chef, c'est-à-dire moi, je reportais directement au directeur général et c'est lui qui a repris mes fonctions, qui a repris en direct l'équipe que je gérais. Je gérais une équipe de 5 personnes. Et comment avez-vous quitté Microsoft? Microsoft, on s'est quitté en bon terme où j'ai postulé donc pour le poste chez New Balance et j'ai démissionné et j'ai enchaîné pour le poste chez New Balance. Donc j'étais contente et voilà, ça s'est passé cordialement. D'accord. Est-ce qu'on peut contacter Microsoft de votre part? Oui. Pour des références? Oui. D'accord. Une des raisons qui ont fait que je suis parti de mon entreprise, c'est que on avait un projet ensemble et puis j'ai évolué et eux non. Vis-à-vis de mes compétences et de mon implication dans l'entreprise, il y avait un moment où voilà, il fallait montrer qu'on y allait ensemble. Et puis là, j'avais l'impression d'être un peu lâché. C'était une entreprise qui m'a servi de tremplin, qui m'a servi vraiment à démarrer et puis à concrétiser, si vous voulez, une aspiration que j'avais depuis pas mal de temps, qui était de quitter un peu le milieu universitaire et de la sociologie pour aller à une sociologie plus pragmatique, plus pratique. Et j'ai fait ce pont-là avec Polyprogramme qui m'a permis d'aller vers l'urbanisme. Au moment où j'ai décidé de partir, j'avais ouvert cette galerie, j'avais contribué à l'ouvrir, pas seule évidemment, mais on se trouvait à un moment où la crise était quelque chose d'encore un peu abstrait en France, avec un impact symbolique, psychologique sur les comportements, mais c'était le début, alors qu'à l'étranger, certains pays étaient vraiment frappés de plein fouet et concrètement dans leur budget. Et je travaillais pour une entreprise dont les fonds venaient de l'étranger. Donc on avait l'impression, au bout d'un moment, de devoir en gros payer les factures avec des fonds qui venaient du FMI. Et qui ne venaient pas. C'est très simple. C'est en fait parce que je sortais du service social, j'avais envie de faire une deuxième parti dans ma carrière et il s'est trouvé qu'il y avait un concours, un poste à pourvoir en cadre supérieur à la direction générale à Noisy-le-Grand et en plus qu'il y avait beaucoup de voyages à faire dans ce poste-là. Et donc ça m'a intéressé. J'étais pas précipité puisque de toute façon j'avais encore mon emploi et je me suis dit je vais passer le concours, si je l'ai, tant mieux, et si je ne l'ai pas, je reste là où je suis. Voilà. Et il y avait un poste à pourvoir, c'est tout. Alors, pourquoi avoir quitté la fonction publique pour une entreprise? Pourquoi poussez-vous aujourd'hui? D'abord, une petite précision, la NPS, c'est pas exactement la fonction publique, c'est un emploi contractuel. Donc, on n'a pas la qualité de fonctionnaire. Parce que c'était où je continuais pendant 20 ans encore jusqu'à ma retraite à l'Agence nationale pour l'emploi, où je passais une troisième pour moi dans mon... Je me suis dit que j'allais rester 4-5 ans à l'Agence nationale pour l'emploi. J'y suis resté 9 ans, donc il était temps d'essayer encore autre chose en approchant, en étant dans la cinquantaine.